Pascal, c'est papa. Dis, Pascal, papa et maman vont entrer tard ce soir. Alors, ça serait bien que ce soit toi qui fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Attends, crie pas youpi, va pas mal à la tête, hein, crie pas youpi. D'accord, tu t'en occupes? Tu t'en occupes, bien. Tu veux faire de la cuisine? Qu'est-ce que tu veux faire comme cuisine? Des pâtes! Vous avez mangé toute la semaine des pâtes. Des pâtes à quoi? À la boudonie? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une recette de ton copain Boudoni. Mais il est là, Boudoni. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ces pâtes? C'est des pâtes avec de la viande. Mais où vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramené dans son cartable? Alors, il a gardé toute la journée cette viande dans son cartable à l'école? Et comment elle est cette viande? Non, mais comment elle est? Demande à Boudoni. Elle est correcte? Correcte? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez mettre? Oui, bien d'accord, je veux bien. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre avec les pâtes? Avec la viande. De la crème fraîche qui était dans le frigo. Ah non, la crème fraîche dans le frigo, elle était depuis 2 mois dans le frigo. Non. Elle est déjà dans l'eau. Comment elle est dans l'eau? Avec la viande et les pâtes. Et du ketchup. Passe-moi Boudoni. Alors, Boudoni. Comment tu t'appelles? Emilio, bon, t'es pas un méchant garçon. T'es pas un méchant garçon, Emilio. Alors, parle-moi de tes pâtes. Parle des pâtes. Non, regarde dans la casserole où elles en sont. Comment elles se présentent, tes pâtes? Tu vois des pâtes roses, c'est normal, c'est le ketchup. Avec de la viande noire, bon, je veux bien. Et dans de l'eau qui est jaune. Et pourquoi elle est jaune? T'as mis du safran. Oui, très bien. Tu mets plus rien maintenant. Du curry, en plus. Non, t'en mets pas trop. Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou. J'entends c'est mou. Qu'est-ce qui est mou? Le chocolat? Pourquoi tu mets du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est votre dessert. Mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole? La casserole est molle. Mais vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier? Mais sous l'évier, c'est tous les récipients en plastique. Alors forcément, si vous la mettez sous le feu, elle coule, la casserole. Passe-moi Pascal. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le chocolat et le plastique coulé? Avec les mains? Passe-le-moi. Pascal. Tiens le téléphone du bout des doigts. Tu vas dans le placard et tu prends un drap. Non, ils sont tous au sale. Non. Tu vas dans la chambre de papa, et maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu essuies les mains. Bon, et après, tu éponges tout ce qui dégouline. Dis à Boudoni de t'aider. Il touille? Mais qu'est-ce qu'il a touillé? Il a touillé. Mais prends sa place devant les pattes. Dis-moi où elles sont ses pattes. Non, écoute, il y a trop de fumée. Alors tu prends une fourchette et tu plonges la fourchette dans les pattes. Tire, ça fait un bloc. Mais tire une patte. Bon alors, goûtez à la pâte. Fais la goûter à Boudoni. Il aime. Tu es sûr que tu l'as pas donné à bouffer un bout de plastique? Donne-lui l'autre patte. Il aime, c'est bon, ça va? Ça va, bon, alors vous bougez plus, maintenant vous ne bougez plus. Vous mangez les pattes debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Papa arrive.